Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est Stylers donc pour un gaming live de Rayman, le tout premier Rayman sur PC. Donc je fais ce gaming live en fait tout simplement parce que mince, j'ai vu que Rayman Origin, donc si j'ai bien compris c'est le Rayman comment mince qui était fait donc pour remplacer celui-là, donc un nouveau Rayman fait à la Old Soul, donc tout comme les tout premiers Rayman. Hein. Comme ça, donc ceux qui étaient comme ça. Donc à savoir, j'ai retrouvé, enfin c'est mon vieux CD, ça que j'ai retrouvé. Donc déjà le son, voilà quoi. Il y a comment, il manque le son des niveaux, par exemple. Bon, c'est dommage, mais on fera avec. Aussi, donc pour configurer le jeu, il fallait choisir une option CPU cycle. Ouais, donc cette option j'ai laissé par défaut, donc en fait ça permet de définir la configuration du jeu. Le truc c'est que CPU cycle, j'ai juste retrouvé le CD mais pas comment le manuel de jeu, donc j'ai préféré donc ne pas toucher à cette option et je me suis dit bah, ma foi on verra bien. Donc comment. Donc là on commence l'aventure de Rayman, si je dis pas de bêtises, ouais non, je dis pas de bêtises, on commence. Donc ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Dernière fois que j'ai joué, je devais avoir 4 ans. Donc c'était il y a à peu près 13 ans. 13 ans que j'ai pas joué à ce jeu, c'est pas mal. Donc Rayman. Développé, édité par donc Ubisoft, donc toujours la même société, hein, donc pour ce qui est la franchise Rayman et Lapin Crétin. Juste, je vais, parce que je pense pas qu'on va bien m'entendre, donc je vais baisser un peu le son du jeu. Alors voilà, ça devrait suffire. Donc les sons, comment? Donc on a juste les sons d'interaction là en fait. C'est vraiment dommage que mon CD, que sur mon CD, bon, faut dire que le CD il a très. Je crois que le CD il a été fait. Le CD il avait été fait avant ma naissance, mais bon. Ouais, donc il a bien survécu, c'est déjà un miracle que l'installation ait voulu se lancer. Que, enfin, que Windows ait rétabli le CD tout court. Et puis pour un jeu donc de 1995 aussi, donc compatible avec Windows 98 quoi, puis Windows 95 plutôt, pardon, qu'un truc encore où j'étais pas né, et ben il a bien voulu se lancer sous Windows 7, donc sous système 64 bits, donc miracle. Bon après j'ai beaucoup de bouts du jeu qui ne marchent pas. D'ailleurs, je me souviens, c'était avec ce jeu que j'avais commencé à prendre. Donc, ouais, donc ça, c'est la fée qui va nous aider, qui va nous donner différents pouvoirs, donc, pour notre quête contre le mal. Ouais, donc là, elle vient de nous donner les points de Rayman. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, à chaque fois qu'on a une de ces pastèques moches, en fait, ça nous permet donc d'accéder à un endroit caché du jeu, en fait. Et puis les panneaux, comme on vient de le voir, donc avec un point d'interrogation, pardon, et bien c'est les panneaux qui nous permettent de passer comment, à la planche suivante, parce que le premier Rayman est un jeu comment, de plateforme qui se déroule, enfin qui marche avec ce que j'appelle le système de planche. Donc il y a plusieurs comment, mince, plans en 2D comme ça qui défilent. Et comment? Mince. Ouh là là. Ah. Alors, ça c'est fait. Donc, on a plusieurs plans en 2D, donc qui défilent et puis donc en fait. Mince. C'est le jeu. Donc les comment mince les panneaux en point d'interrogation en fait
nous permettent. Ouh là là. Méchant. Vilain, vilain. Allez, allez, allez. Dégage. Donc, les panneaux avec pas point, point d'exclamation. Je sais pas si j'avais dit point d'interrogation avant, j'ai un doute là maintenant. Donc, ces panneaux nous permettent de passer donc à l'espace en 2D. Oups, suivant. Mandor. Voilà. Ça donc, comment? Donc, ce qui était bien avec les jeux de l'époque, donc comme Rayman, c'est que, comment? On n'avait pas une intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle était plus ou moins bien faite on va dire, mais on pouvait donc par exemple avec les petits bonhommes qui se baissent quand on charge le point, si on spamme le point j'ai envie de dire, et ben ils réagissent pas et puis en fait on peut les toucher. Donc alors, donc présentation du monde en fait, donc en haut, je sais pas si on voit mon, ouh là là le curseur il a du mal avec la souris. Donc comment? En haut, donc on a différents mondes. Donc tout ça, c'est il y a comment? Un grand passage donc au pays de la musique avec Rayman. Je sais pas pourquoi. Donc on voit donc les plaines avec le chemin en note de piano. C'est passage musical. Pareil dans les nuages, c'est passage musical. Donc la petite icône avec le chapeau. Donc le petit bonhomme avec le chapeau qu'on va pouvoir voir dans Rayman. C'est le petit bonhomme qui va nous permettre de sauvegarder en fait. Donc, premier passage du jeu, on est dans la forêt, après on est dans les pays musicaux. Quoi d'autre? Après on est dans les montagnes. Puis en fait, je me souviens plus trop. C'est, ouais, le jeu, j'ai dû jouer 3 ans là-dessus. J'ai de vagues souvenirs, on va dire. Mais Rayman, c'était les jeux celui dont je me souviens vraiment bien, c'est de Rayman 2. Le 3, j'ai passé pas mal de... J'ai passé pas mal de temps aussi dessus, mais il m'avait moins plu. Le 2, ça a été, je pense, le meilleur Rayman qu'il y a eu. Quel est le moustique? Va falloir le battre. Oui, il y en a. Oui! Donc on voit franchement, c'était quand même pour un jeu de 1995. Quand on voit comment a été fait la 3D après, dans les années 2000 et tout, c'était quand même très respectable. Ouf! Miracle. Allez, et pense à c'est fait. Donc, c'est ce que je voulais dire, je sais plus. Donc voilà, on l'a fait pleurer, on lui a fait mal, donc après on se tape la main. Et je sais plus. Ah, oh non, pas ça, merde. C'est le passage qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin. Pourquoi? Parce que j'avais eu beaucoup de mal dessus. Donc là en fait on se balade sur Moustique, je crois que c'est son nom en plus, Moustique. Comme quoi les traducteurs ne sont pas trop chiés des fois. Hein. Moustique. Donc Moustique après ça va être votre ami dans Rayman 2 si je me souviens. Ouh là là. Ouh là là. Si je me... Wow, 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 zen, zen, zen. Oh là là, putain, le moustique. Zen. Misère, misère. Oh là là, misère. Ouf. Donc, on voit comment. Que pour l'époque, le jeu arrivait quand même à suivre. Puis, comme on a pu le voir, on pouvait avoir des passages à haute vitesse, là, quand même.
Donc voilà, notre ami Lafay qui nous donne un pouvoir toutes les 5 minutes. Sachant qu'on a environ 10-20 heures de jeu, c'est sympa. J'ai pas suivi. Ah, on peut s'agripper. On peut s'accrocher. Donc, avec les 15 minutes de limitation de YouTube, ce qui me fait chier, je crois que. Mince. En fait, on va. Ouais, quoique, non, en fait, je vais faire deux vidéos, donc pour ce Rayman, même plus peut-être. Pourquoi pas. Après tout, ce Rayman, il en vaut bien la peine. Donc là, on commence donc au pays de la musique. C'est un autre passage dans la forêt, mais voilà, on s'en fout quoi. Ouf. On n'y est pas encore au pays de la musique là. On s'en. Comment? Mince. On s'en approche. Parce que le vrai pays de la musique. Comment? Enfin, de musique. Ouais, plus ou moins quoi. C'est quand on est dans les nuages. Oulala. Ouais, donc voilà. Ouh! Ça me rappelle tout ce que j'ai pas aimé sur les Rayman, ça. Magnifique.